Ils vont faire du travail là-bas. Ce sont des bâtisseurs, comme nous les appelons. Ils vont construire des écoles, ils vont construire des centres de santé, ils vont construire des ponts, ils vont faire le cantonnage manuel. C'est à quoi nous sommes en train de former ces jeunes gens-là. Donc, ils vont être intégrés au service national, non pas que pour tous, pour que tous restent à Kanyamaka, ils sont nombreux. D'ici la semaine prochaine, nous allons amener la septième vague pour en faire 2500. Tous ne vont pas seulement rester pour faire les champs, pour rester à Kanyamakassé. Ils vont être déployés dans différents territoires. Mais c'est déjà des bons citoyens. Et voilà comment on est en train de leur insérer. Une information que je vous donne, les instructions du commandant suprême récemment, c'est que les premières et deuxièmes vagues qui vont terminer leur formation cette année, une année après, au mois de janvier, ils sont directement intégrés au service national et ils commencent à avoir leur salaire. Mais mon frère, vous voulez condamner des initiatives pareilles? Vous voulez condamner un travail pareil? Vous parlez des violations des droits de l'homme. Mais ces jeunes ici, ils ont violé les droits de combien de personnes? Vous et moi, nous avons vu ces jeunes ici tuer des gens. Nous avons vu ces gens s'en prendre même aux policiers. À la quatrième vague, j'ai vu deux policiers, j'ai vu deux militaires là-bas, qui sont devenus des manchots. Les Koulouna ont coupé leurs bras. Et ils ont reconnu même ces Koulouna-là. Mais parce que ces Koulouna, ils avaient commis ces actes il y a 6 mois, 8 mois. Mais la justice était ici. Le ministère des Droits de l'Homme existait toujours. Personne n'a vu personne lever son doigt pour condamner ces actes. Il ne suffit pas seulement de condamner. Qu'est-ce qu'on propose? Nous, nous sommes ouverts. Si on dit non, voilà, service national, police nationale, vous êtes en train de violer les droits en ce qui concerne l'évacuation. Et que vous vous estimez que ces gens qui sont déplacés dans un avion cargo, que cela c'était une violation des droits de l'homme, vous nous offrez un jet, vous nous offrez un affrètement Congo Airways ou CA, nous n'allons pas refuser. Ne vous limitez pas seulement à nous critiquer. Apportez-nous le moyen des corrections que vous avez. Si vous condamnez que, nous voilà, ces gens, voilà là où ils vont, nous nous estimons que, non voilà, il faut qu'ils partent en costume. Nous nous estimons qu'il faut qu'ils dorment là-bas dans un hôtel 5 étoiles, dans de belles constructions. Venez, apportez-les-nous. On ne va pas refuser. Plutôt que de rester seulement à condamner. Vous condamnez, mais vous proposez quoi? Vous apportez quoi? En tant que responsable, je crois que nous devons à un certain moment regarder qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui est beaucoup plus positif que de regarder qu'il y a des petites failles, des petits. Service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo donne ses impressions à la presse. Qu'est-ce que je peux dire?
temps là loba que la soie qui chassa et ça la confiance de la police nationale. La police nationale a zosa la boutoumoui pour assurer bango sécurité, pour allongola, pour assilir ce phénomène kouluna la ville province à Kinshasa. Donc côté qu'on a il faut passer la confiance dans le service national, dans la police nationale. Donc police nationale n'est pas dans mon conseil, police nationale ville province à Kinshasa, Zoloba a côté kate kouluna et continuer sur la ville à Kinshasa. Baké bolo côté, baké formation, baké encadrement. Au moment où déco, a évité bateau, n'engagé les bases au canisme. Au conseil Boka, là je suis pas canisme là. La bande à coller là, par là ceux qui vont gagner pour la mousse, on a ta compte à mon côté, on a coller. Mais les lots, on te suit, la couronne a toujours qu'il y a la bango formation, encadrement. On te passe la bango pour ça. Quand il faut bango, basse à la naissance, on va te ça, merci. Et pas mon conseil à police, après ça merci, et pas mon conseil à Mboka, plutôt que va se plaindre. Quelle formation? Il organise la formation qu'on a, tout ça, on va baser là, pour qu'on ait la sa formation, tout intégrer dans le service national, il ne faut pas oublier, même si on a une formation, même si on a une formation, la liberté est à la restreinte. Au cause de la formation, tu as la liberté dans l'union sonnette dans la cité. Et ça, c'est la mort. Sauf que dans la formation, il faut comprendre que la liberté n'a pas de bonheur en go. Pour aussi bien formation. Téléphone et vous allez la dé. On va vous faire aussi sa formation. C'est la série de formation qui est intégrée dans le service national. Comme il y a un salaire, on va vous faire un salaire. Pour clore, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, la ville-province de Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Sylvain Okasongo, est déterminé pour terminer les phénomènes Kouluna dans la ville-province de Kinshasa. Ici est de rappeler que cette opération d'évacuation de Kouluna a débuté depuis le mois de novembre de l'année.